Les portes du pénitencier. Donc ce sont que des accords très très simples, toujours les mêmes, les premiers qu'on apprend en fait, à savoir le La mineur, suivi du Do, suivi du Ré, suivi du Fa, La mineur, Do et Mi septième. Donc pour tous ces accords, on a toujours le même arpège, à savoir pour le La mineur, on fait la corde du La, donc la basse d'abord. L'index, le majeur et l'annulaire se trouvent sur les trois cordes aiguës. Donc on commence par l'index sur la corde du Sol, le majeur sur la corde du Si et l'annulaire sur la corde du Mi. Et on revient majeur sur la corde du Si et l'index sur la corde du Sol. Donc ça nous fait la basse et je monte et je descends. Et c'est toujours le même arpège pour la main. Pour le Do, eh bien je gratte toujours la corde du Ré pour la basse. Pour le Ré, je positionne ma main gauche pour les accords en Ré et je prends la corde du Ré pour la basse. Et pour le Fa, je prends ma corde du Ré qui est la basse. Et La mineur, donc je prends la corde du La. Le Do et Mi septième, donc toujours. Voilà pour les arpèges. Donc une basse, index majeur, annulaire, majeur, index. Pour les accords, quant à eux, on commence par un La mineur. Alors le La mineur, il se fait de cette manière. L'index sur la corde du Si, le majeur sur la corde du Ré et l'annulaire sur la corde du Sol. Puis on passe au Do. Donc l'annulaire quitte la corde du Sol pour venir sur la corde du La. Donc ça nous donne l'index sur la corde du Si dans la première case, le majeur sur la deuxième case de la corde du Ré et l'annulaire sur la troisième case de la corde du La. Après le Ré, je positionne mon index et mon majeur sur la deuxième case de la corde du Sol et du Mi et mon annulaire, je le mets à la troisième case de la corde du Si. Enfin, je fais le Fa, donc je fais un petit barré en prenant les deux cordes du bas, c'est-à-dire la corde du Si et du Mi aigu. Je mets donc le petit barré sur la première case. Je mets mon majeur sur la deuxième case de la corde du Sol et mon annulaire sur la troisième case de la corde du Ré. Et enfin, je recommence La mineur. Donc le La mineur, hop là, on voit bien, La mineur, Do, et le Mi septième, c'est comme un Mi normal, Mi majeur, c'est-à-dire l'index sur la corde du Sol, première case, majeur sur la deuxième case de la corde du La. Et je ne mets pas l'annulaire. Et voilà tous les accords. Donc le tout, c'est de faire ça tout le temps en continu. La mineur, Do.